devant vous des tulipes. Donc le bulbe est cultivé en Hollande. Puis une fois que le bulbe est bien gorgé de nourriture, il est préparé, il nous est livré. Et là commence ce qu'on appelle le forçage. Et le forçage consiste tout simplement à mettre nos tulipes dans un frigo, de les faire enraciner. Et une fois l'enracinement fait, au bout de 3-4 semaines, nous les mettons en serre. C'est une culture dans l'eau, uniquement pour des problèmes de poids et puis des problèmes également de qualité, puisque l'eau nous permet de gérer la nourriture des tulipes. Les tulipes vont rester ensuite environ 4 semaines dans une serre, vont être récoltées, préparées et partir tout de suite à la vente le jour même, voire le lendemain, et ainsi être livrées chez nos fleuristes avec qui l'on travaille. On est environ à 6 millions de tiges de fleurs par année. On cultive environ 400 000 tulipes, environ 500 000 calas, et puis de nombreuses têtes d'hortensia, puisqu'on est un des plus grands producteurs en Suisse d'hortensia. Le label Terre Avenir est essentiel pour nous, puisqu'il permet de distinguer nos tulipes sur le marché. Et ce label est utilisé par tous les producteurs genevois, qui remplissent évidemment un cahier des charges. Florio fête son 100e anniversaire, puisque Florio est né d'une entreprise familiale en 1920. Et cette société, après quelques générations, est passée en main de la famille Milo. Et tout particulièrement mon père, qui a repris ses magasins il y a quelques années déjà, et qui m'a transmis l'envie de continuer cette entreprise il y a maintenant 5 ans.